Hello, Jean-Michel Jeannette. I am brand manager for Massey Ferguson France. I am here at the Super Six Tour. Here, 80% of Massey Ferguson customer, but also 20% of competitor customer, to discover the new product of Massey Ferguson about the new range, sixth range tractor. We are very happy to present that to our salesman and our competitor too. And we hope to sell them tractor. And we are sure about that because they are testing the tractor at the moment. This morning we have made a demonstration presentation, a show, a presentation of our product, model by model, and many argumentation of the best point of our tractor. And we took 2 hours about that, and now they are testing the tractor. We have made at the moment 6 days like that. First day in Auch in south of France, after that in Isère in south-east, after that in Massif Central, Clermont-Ferrand, after in Poitiers in Loire, Pays de Loire, after that in Rennes in Brittany, and today in Beauvais, and not tomorrow but the day after, we will be in Chaumont, in the northeast of France. And normally we will have received something like 2,500 or 600 people. We are very happy about that, and there are many people interested in our product, and we are sure that with this presentation we will sell more and more Massey Ferguson in France. Donc Didier Verret, je suis agriculteur dans l'Oise, sur une exploitation de polyculture élevage. L'histoire avec Massey Ferguson est de longue date, puisque mon père a acheté son premier tracteur, le fameux Petit Gris. Et puis après, ça a évolué en fonction des produits qui sortaient et les besoins. Je suis présent aujourd'hui sur cette manifestation pour voir un peu l'évolution des tracteurs, malgré que ma dernière acquisition ne date pas de très longtemps, puisqu'il y a 5 mois qu'un nouveau tracteur est arrivé sur l'exploitation. Un 7616. Ça permet, Super 6 Tours permet de rencontrer des personnes de Massey Ferguson, des techniciens, des commerciaux, et puis de rencontrer nos concessionnaires afin de discuter dans une autre dimension que le cadre commercial qu'on peut avoir habituellement. Donc je suis agriculteur dans la Somme, dans une région de polyculture élevage, installée sur une surface de 115 hectares. Une exploitation sur laquelle il y a des Massey Ferguson depuis 1958. Donc ça a commencé avec le Petit Gris. Aujourd'hui, on a un parc de 2 3070, 1 6180, 1 8210 et un 6480. Et on restaure aussi 240. Je suis client des établissements forestiers Leblon à Brachy et Boismont, donc qui sont proches de moi, réactifs et qui me répondent jour et nuit, 24 heures sur 24 quasiment. Parce que j'ai aussi une batteuse Massey 38, donc dans une région où le climat nous laisse une fenêtre météo assez courte, environ 5 jours pour la moisson, donc il faut vraiment être réactif. Donc on a besoin d'un concessionnaire qui soit vraiment toujours auprès de nous. Donc je suis venu aujourd'hui ici sur Super Six Tour pour découvrir la gamme essentiellement 6006. Parce que bon, on a un petit peu d'interrogation sur le fait de passer dans des puissances de 100-150 chevaux en 4 cylindres, voire l'évolution au niveau des boîtes, au niveau des commandes de boîtes, commande à gauche qui permet d'avoir la main droite libre pour commander tous les distributeurs, un chargeur, enfin pour vraiment la polyvalence. Oui, des gabarits de tracteurs qui correspondent bien à notre activité. Parce que bon, c'est vrai qu'en polyculture élevage, le 4 cylindres finalement est bien adapté à notre boulot. Mais une historique des 4 cylindres qui était réputée pour des tracteurs un petit peu légers. Donc là on passe sur des 4 cylindres que des gabarits plus importants, donc qui peuvent rivaliser avec des 6 cylindres.